Thank you.
En effet, les autorités
les têtières, les participants avaient unanimement souhaité une prorogation de la foi. Monsieur le représentant des ministres, grâce à Dieu, en même temps que ce beau public massivement venu à réponse à notre invitation, vous allez témoigner du coup d'envoi de la deuxième mi-temps de la foire artisanale et commerciale, dont le départ, comme je l'avais rappelé, a été donné en terre malienne des parcelles assises. En plus, là, monsieur l'entretien, monsieur l'entretien. Entier. Elle est sur Magli Bili, Anoula, Monsieur le représentant du ministre de l'administration territoriale, Monsieur le représentant du ministre de l'artisanat et du tourisme, Excellence l'ambassadeur du Sénégal en République du Mali, Son Excellence Birem Bagnik Diagne, ici présent, Monsieur le représentant du gouverneur, mon grand frère, collègue, maire de la commune 5, Monsieur Amadou Ouattara, du district de Bamako, Monsieur le représentant du maire du district de Bamako, Monsieur le président Adama Traoré, président de la Chambre des métiers de la commune 5 et conférence de Bamako, Monsieur Moumoudou Minkoro Traoré, président de la PCM, Madame Silla Moussoukoué Dembélé, la marraine, cher représentant de l'administration du Mali, Mesdames, Messieurs, les membres du bureau municipal adjoint et adjoint au maire de la commune 5 de Bamako, du district, Monsieur le coordinateur des chefs de quartier, chers communicateurs traditionnels, chers invités, chers notables, chers coutumiers, chers artistes, chers exposants, artistes, artisans du Mali et du Sénégal, Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi tout d'abord, au nom du conseil municipal des Parcelles Assises et de la délégation qui m'accompagne, de saluer chaleureusement les élus de la commune 5 du district de Bamako, l'ensemble du personnel administratif et subalterne, notre grand frère et ami Moussaba, point focal, grand Paris Sud à Bamako, mais aussi particulièrement mon grand frère et ami Amadou Ouattara. Merci pour la chaleur de votre accueil dans cette belle commune que nous découvrons pour la deuxième fois. Et merci aussi d'avoir bien voulu nous associer à cette foire artisanale et commerciale, en prélude au Salon international artisanal du Mali, le SIAMA, prévu du 7 au 21 novembre 2019, et dont notre cher pays, représenté ici par Son Excellence l'ambassadeur, est l'invité d'honneur. Je voudrais ici, sur le grand maire, magnifier ce geste de haute portée et de dimension économique exceptionnelle, dont les deux associations les plus dynamiques et les plus représentatives de notre commune, je vais nommer le RAFPA, avec sa présidente Madame Matignaï, adjointe au maire, et la cellule d'initiative et de réflexion d'appui SIRA, avec aussi la conseillère Madame Boutimbaï, ont le privilège de m'accompagner à cette foire organisée par la commission dans le cadre du SIAMA. La dernière fois organisée à Dakar du 26 novembre au 8 décembre 2018 au Parcelles Assises à Dakar avait fini de démontrer l'engagement d'unir nos forces dans le cadre d'une politique d'ouverture et de renforcement des capacités de nos artisans pour en faire de véritables leviers de développement et d'intégration dans un marché sous-régional qui est devenu très compétitif
surtout avec les produits émanant de la transformation des fruits et légumes, céréales et autres produits. C'est la raison pour laquelle cet avant-goût du Siama 2019 et qui constitue pour la commune 5 un moment de test et de choix pour une représentation de qualité nous offre des opportunités de fédérer davantage nos forces, mais également d'exhiber le savoir-faire et le potentiel de nos artisans. Monsieur le représentant de Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, chers invités, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, moment ne pouvait être aussi fort au regard de toutes ces autorités présentes pour vous témoigner toute ma gratitude, mais également vous féliciter des efforts consentis dans l'encadrement et l'organisation des artisans et surtout la formation des femmes qui sont devenues aujourd'hui, grâce à leur dévouement, une force sûre dans le processus de tout pays qui se veut émergent. Il est temps dès lors de compter sur nous-mêmes pour asseoir véritablement une politique de consommation de nos produits locaux. Ce partenariat entre nos deux institutions doit d'une manière significative impacter sur la vie économique et sociale de nos concitoyens respectifs. Donc, multiplier ces genres d'initiatives et de rencontres offre aux artisans des cadres d'expression pour mieux les motiver dans la réflexion et dans la production. C'est tout le sens de cette approche concertée dans ce domaine pour la défense et la promotion des intérêts des populations placées sous notre responsabilité. Notre délégation, aujourd'hui forte de 30 membres, composée en grande partie par des femmes, illustre parfaitement notre choix porté envers cette frange de la population qui s'active dans l'entrepreneuriat et le développement communautaire et qui joue un rôle prépondérant dans la formation de nos politiques publiques à venir participer avec les artisans de la commune 5 du district de Bamako, partager des moments forts de communion, d'exposition, mais aussi de pratique et d'expérience en vue de faire notre plateforme un des leaders dans ce domaine, au niveau sous-régional, voire même régional. Voilà, monsieur le maire et chers amis, tout l'intérêt qui sous-tend notre projet, destiné à mieux raffermir nos liens séculaires qui lient le Mali du président Ibeka, et aussi du Sénégal du président Macky Sall. Et nous pensons que ça va destiner à mieux nous structurer et pérenniser nos relations et faire de ce partenariat un modèle économique et de permettre à nos artisans de se professionnaliser et de pouvoir même exporter leurs produits. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier Son Excellence l'ambassadeur Birem Bani Gall pour sa disponibilité, son ouverture, mais aussi l'excellent travail qu'il abat quotidiennement pour toute la communauté sénégalaise. À vous dire, je vous remercie de votre aimable attention. Ni wolo diara yi ba to wara fatuma tala on ta to goda mama ya on ta to goda
Ay ma de wala muso te me ñongana de ñu ma soro sabam Fay ma tongli dara te me ñongana ma ñu ma soro sabam Fay ma sugoro no mbi la ñongone e ci ñu ma soro sabam ko wa beti mo ko valeri don Man angolo ti mo ko valeri don Abarekan ni na kanu diarani Fati konare konyungunu Jandigela damele fatu konyungunu Aye daura njagalifu Bananga bukola mamu tarawore konyungunu Ibarega chikichamuna Nibimu ija jite konyungunu Nigata tanja jite konyungunu Chaîne 2 Barga Kumba Iye Fanao 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 Sisane Dugu Manga Bamana Ajuru Suma Dabili Gashiriba Ainishu Ala Nebili Flabarikara Flasirimanya, telon ni itagite sirimanya ni sangare buturu ni bugu jaze flasirimanya. Flafina flamachie, flajara a flamachie, malayani sabe mana ba flala ala dibi flaya tambe uba kulubali gashiri inishu. Mima sanyo marigana, dabehi kulubali. Masa kroni masa gana, nuru soma ni krabali soma, sadu jara ani halani jia. Sunun sakore sunun mamadu sunun masakode sunun mamadu Woma woma yo Manim bagel da faner yo so eme ki la eme dan koy xol muy rengi kontan Mbegil yeg yeglu Bedouko gis khel sa khalatu ko Bu sincere mbegilu nobla Ni me le bege da fofor Da me la bege bu bege Ni me le bege Mi sa mene Bilay walay bege nale Yay sa me shabari bedi Shabara beda Tup 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 Berada beda Sa me baby bu Di sama olala, oh my baby, kai gawe mo. Nak man sane kunate ko pulo, full full lale chili woma. Gunegi found gawuyu ma, jokla sama kol nyu lambada, nak nyu tundu olala. Megum na ni lolo doyula Eske kam gabi bi Yo eske kam gabi Eske kam gabi Ma jokh le bi Suma la jokhe bi da Yo te te benin Yo kai ma may le bi Ma may le bi Suma la maye bi da To pa te benin Sabi da fay nyirim nyirim Sama bas Sabi da fay nyirim nyirim Sama bas Sabi da fay nyirim nyirim Sama bas Sama gel da fay nyirim nyirim Sama bas Kawai bebe Kawai bebe Kawai bebe Kawai bebe
Je vous salue. Voilà, vraiment. Bon, les tenues sont faites. Pour moi. Aha. Ma soeur aussi. Aha. Il y avait la joie au maire. Aha. Madame Matignay. Aha. Il y a Antoine de Silva. Aha. Tout ça, c'est des stylistes. Ah. Sénégalaises. Aha. Qui fait bombe là-bas au Sénégal. Ah. Je sais que le Sénégal, c'est un peu qui est en train d'émerger dans la mode. Dans le Sénégal, on dit, si la vision, c'est Abouad qui a construit exclusivement les défilés. Il n'y a pas deux en Afrique que le Sénégal. Pourquoi Abouad a fait ça? Uniquement les défilés, tout le monde sait. Ah, parce que c'est Abouad. Lui, il sait la valeur sénégalaise. La couture aussi. Il fait la couture aussi. Merci beaucoup. Si la valeur. Yeah,
De Mme Madine Diaye, troisième adjointe au maire, de Mme Koutoubaye, conseillère municipale, de Mme Diadji Cissé, conseillère municipale, et également de Mme Ndeyfal, conseillère municipale. Je voudrais, à travers ce geste, remercier vivement la joie. Je crois qu'on a eu à le faire tout à l'heure. Et nous ne cesserons jamais, jamais, jamais de la remercier. On ne peut pas même pas trouver les mots. Je ne peux pas continuer parce que tout à l'heure on a assisté à une série de. Je ne veux pas. La joie. Les larmes ont coulé. La joie. 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 Voilà, Le plateau. Voilà, le bien président. Voilà, maintenant la joie. Oui. Ben, j'invite tout le monde. Thank you.